Salut tout le monde, bienvenue dans notre première vidéo. Et on a décidé de vous embarquer avec nous dans notre petit train-train quotidien. Donc voilà. Aujourd'hui, là il est 13h30. Donc ce matin on s'est réveillé tôt. On est allé acheter des décos de Noël. Oui, un petit peu. Ouais. Comme ça on va faire notre sapin un peu plus tard dans l'après-midi. On va filmer tout ça et puis vous verrez au moment du montage. Sinon voilà, là on a rendez-vous à 14h, donc on ne sera pas rentré avant 16h30, donc le temps de faire le sapin et tout ça, donc nous on va se retrouver peut-être un peu plus tard dans la soirée, donc voilà. Quoi? L'anglais c'est juste pas possible. Non, pas possible. Là du coup la Miss elle galère parce qu'elle essaye de mettre des photos, enfin de poster ses photos sur YouTube, sur Facebook et Insta, mais elle arrive pas. Ouais, elle galère parce qu'au final on a un réflexe et du coup c'est des photos de qualité, elle arrive pas à exporter. Donc là elle essaye de mettre dans un autre logiciel, c'est ça? Non, d'envoyer sur ma tablette. Oh, sinon tu peux mettre dans un autre logiciel et le convertir. Non, je peux pas. Je peux même pas l'ouvrir avec d'autres applications. Il veut rien faire. Bah, je sais pas. Même ouvrir avec Paint, il veut pas. Ah, je sais pas. Bon, voilà, toute la déco est finie. Et on a préféré pas mettre trop de déco parce que mettre c'est bien, mais après pour enlever, y a plus personne, n'est-ce pas? Bah, pour enlever, c'est plus embêtant, quoi. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, pourquoi on a décidé de vlogger que maintenant? Parce que justement, on n'était pas équipé. On avait tout ce qu'il fallait, on avait l'appareil aussi, mais on n'était pas équipé vraiment pour faire les montages vidéo. Donc maintenant, on est OK. Donc on va pouvoir vlogger tous les jours. Donc voilà, journée épuisante. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, en parlant de ça aussi, c'est qu'on pourra pas filmer nos déplacements hors de la maison, pour l'instant. Bah, surtout quand on ira faire les magasins, etc. Parce que le réflexe, d'une, c'est lourd. Et de deux, voilà, en public, ça le fait pas trop, quoi. Donc on attendra d'avoir une caméra, on achètera ça bientôt, pour pouvoir filmer tous nos déplacements. Mais bon, pour l'instant, on vous donnera toutes les infos sur où on va et... Est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a acheté, quoi. Donc nous on est dans un petit coin de la Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Donc franchement c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas grand chose dans la ville où on habite. Et ah ouais, on est obligé de faire la route pour trouver des trucs, quoi. Donc plus dans les grandes villes, vers Lorient, Vannes, Anester, Pontivy pour ceux qui connaissent. Et pour trouver des trucs. Pour trouver des grands magasins, pour avoir ce qu'on peut. En déco, mais bon voilà, on voulait pas en mettre trop de déco et puis et surtout à enlever. Moi je pense surtout à enlever, c'est galère. Sinon on est passé à Pontivy aussi, on a vu une boulangerie qu'on arrête souvent. Ils font des pizzas, des sandwichs, des viennoiseries, etc. Mais franchement c'est trop bon. Donc nous on s'arrête souvent là-bas, donc à chaque fois, quand on a faim ou pas, donc on s'arrête souvent, j'achète un truc. Pour ma part, c'est toujours les pizzas. Et là, on est tombé sur une offre avec 3 pizzas plus 1. Donc, c'est 3 achetés plus 1 gratuit. Donc, c'était pas mal. Donc, voilà la boîte. Franchement, c'est excellent. Nous, la déco est OK.
Et puis les stickers aussi sur les vitres, c'est ok. Donc voilà. C'est une belle journée. Réveil à 11h, là il est 17h30. Donc on a quasiment tout fait. Et au final, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autres trucs à acheter en plus, quoi. Donc ça va. Ouais, du coup, on est assez content en fait de la déco qu'on a fait. Donc nous, ça nous va très très bien. Bon, qu'est-ce qu'elle bouffe là? Ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Des pâtes. Et des pâtes et des saucisses. Voilà, c'est ça. Avec des saucisses paknaki et chipolata. Au four. Si, si. Oula, oula, oula. Là, là, là. Attention à la dame cuisinière qui fait, qui fait les pâtes. La chef Christo est de retour. Ouais. Je vais vous montrer ce que ça donne sur la porte d'entrée. Parce que là, du coup, Coralie a fermé les volets. Wouhou, génial. La déco, elle est super. Donc, en fait, ça donne ça. Là, ça rend trop bien sur la porte d'entrée. Donc, comme je vous disais, ouais, on n'est pas trop à l'aise non plus à la caméra. Le temps de se mettre dedans, le temps de, voilà, d'avoir l'habitude de se filmer. Et puis voilà, quoi. Là, on va manger, on va vous laisser ici. Puis surtout, abonnez-vous. Et on vous dit à demain.